Le clan Kardashian s'est encore agrandi. Après Kylie Jenner, c'est au tour de Khloé Kardashian de goûter une nouvelle fois aux joies de la maternité. La jeune femme a accueilli par mère porteuse son deuxième enfant, un petit garçon né de sa relation avec le joueur de basket Tristan Thompson. Si Khloé Kardashian est restée discrète sur cette naissance, elle a accepté de livrer quelques détails dans un épisode de sa série réalité The Kardashian diffusée sur Hulu. Quel est le prénom du bout de chou? Il commence par un T. Si est-il les seuls prénoms que j'ai regardés, a-t-elle révélé. La même lettre que le prénom de sa fille de 4 ans, Trou, née en 2018. De quoi faire sourire la famille, qui avait fait le parallèle avec Travis Barker, le mari de Kourtney Kardashian, ainsi que Travis Scott, le compagnon de Kylie Jenner. Comme Kim, Khloé a eu recours à une mère porteuse. Khloé Kardashian avait dévoilé le visage de son fils jeudi 22 septembre. La star avait posé sur un lit d'hôpital, le nouveau-né dans les bras. Kim Kardashian, sa grande sœur, était là pour lui partager son expérience avec les bébés. En effet, l'ex de Kanye West a deux enfants nés d'une mère porteuse. On pense toujours ne pas être prêt, mais quand le bébé arrive, on l'est finalement, a déclaré Kim Kardashian, 41 ans, pour rassurer sa sœur Khloé Kardashian. Enfin rassurée au vu de son petit garçon, la fondatrice de Good America ne cesse d'exclamer, il ressemble à Trou. Une heureuse nouvelle pour la famille et un exemple de coparentalité pour Khloé et Tristan, malgré les tempêtes. À propos de l'auteur Mélanie Forest, derniers articles.